j'espère que ça va. On se retrouve pour une nouvelle vidéo atelier vlog. Et ce matin, je ne sais pas ce que j'ai, je suis archi motivée pour tout. Donc il y a des jours comme ça, je l'étais déjà hier soir en me couchant. Je m'étais dit bon, il faut que je dorme quand même un petit peu. Mais là, je suis archi motivée. J'ai déjà fait pas mal de choses. J'ai fait absolument tout mon ménage ce matin. Donc, je me suis levée tôt, vous vous doutez. Et j'ai bien avancé, je suis super contente, donc ça peut vraiment être une journée productive au niveau du travail. Je veux absolument finir le dessin que j'ai commencé pour ma vidéo, que je vous avais expliqué du coup dans le vlog d'hier. Je vous le mettrai en petit i tout là-haut. Si vous ne l'avez pas encore vu, c'est beaucoup mieux de les voir dans l'ordre pour comprendre tout ce que je fabrique. Ensuite, j'ai pas mal de choses aussi à faire sur le côté, mais j'essaierai de le faire dans les temps du midi pour pas que ça dérange au niveau de la vidéo. J'ai une grande annonce à vous faire, mais je vous la dirai plus vers le temps du midi parce que là je veux vraiment travailler et pas blablater. Et j'ai trop hâte d'avoir vos réactions, c'est je crois le plus gros projet de ma vie qui puisse m'arriver. Et ça fait trop plaisir, ça fait très longtemps que je suis dessus. Et je vous raconte ça tout à l'heure, tout en détail et tout et tout. J'ai aussi également des commandes à préparer pour livrer. Et j'ai une commande de dessins à faire qui s'est fait en dernière minute. Et j'ai un temps très court en fait pour le faire. Donc il faut pas que je perde une seconde. Donc je pense que le mandala que j'avais prévu de faire en projet, ce sera toujours pas pour aujourd'hui. Je vais le faire, mais quand, je ne sais pas. Mais forcément, les commandes personnalisées passent avant. Donc au niveau des commandes personnalisées, justement, vous êtes beaucoup à me demander comment ça se passe. N'hésitez pas à venir me voir en message privé, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook, ce sont les deux où je suis vraiment la plus régulière à répondre. N'hésitez pas à venir et je vous expliquerai tout en détail comment ça fonctionne, comment on fait ensemble, etc. Donc je vais arrêter de blablater parce que je voudrais déjà manger, parce que j'ai prévu aussi de faire une bonne séance de sport ce matin, parce que hier j'en ai fait une, mais une petite, et j'ai pas vraiment mangé très équilibré et... je ne suis pas sentie trop bien de la journée à cause de ça. Donc là, je voudrais vraiment remettre ça sur les bons pieds. Et j'ai mis mon nouveau pantalon de sport, regardez. Tadam ! Là, c'est tout en collant. J'aime trop ce pantalon. Bon, je suis d'accord qu'avec les tongs, ça fait vraiment pas sportif, mais on va cacher les pieds. Et en haut, j'ai mis mon petit... rebelle. Donc là, avec la coiffure, je me retrouve rebelle numéro 2. Et j'ai aussi ma photo, ma nouvelle photo de profil à mettre. J'ai trop hâte d'avoir vos avis. D'ailleurs, au moment où cette vidéo sort, normalement, elle y est si j'ai bien fait mon taf. Donc surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. J'ai trop hâte d'avoir vos retours. J'ai voulu faire quelque chose de différent. Donc mon ancienne était vraiment en très gros plan. Sur ma petite bouille avec mes petits crayons, j'ai voulu vraiment garder le contexte des crayons parce que j'aime énormément ça, je trouve que ça change. Si vous entendez du bruit sur le côté, c'est la machine à laver de ma voisine qui fait énormément du bruit et qui cogne contre le mur et ça fait du bruit et je suis désolée. Et donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle photo de profil, sachant que dans tous les cas, il faudra vous y habituer parce que me connaissant, je ne vais pas la changer pendant au moins 3 ans, au moins. Si tout se passe bien. Allez, je suis partie bosser.
après-midi, je viens de manger et de faire une bonne balade de plus d'une heure avec mon toutou. Le temps bouge pas mal, il pleut, il ne pleut plus, donc j'en ai profité qu'il faisait beau pour sortir et le sortir aussi. Et je regarde par là parce qu'il est en train de dormir, il n'en peut plus de sa vie, le pauvre. Il est complètement épuisé. Je voulais en profiter pour vous faire un petit haul de ce que j'ai acheté du coup hier. Et des choses que j'ai encore reçues entre temps, je me suis dit que ça pouvait être sympa du coup de vous le mettre dans ce vlog atelier ici. Avant d'oublier, je voulais vous demander si ça vous intéresserait que durant mon prochain vlog, je vous parle un petit peu organisation. Vous êtes énormément dans mes commentaires à me dire comment est-ce que je fais pour savoir faire tout ça dans une seule petite journée. Et c'est vrai que j'aimerais bien vous en parler si c'est un sujet qui vous intéresse. Je ne veux pas faire une vidéo que de ça parce que tout simplement... ça ne se rapproche pas vraiment à l'art parce que c'est plus gestion, organisation de tout en fait, que ce soit artistique ou que ce soit n'importe quoi d'autre. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire et je préparerai la vidéo du coup pour pouvoir vous l'inclure dans le vlog de demain ou d'après-demain. Je verrai un petit peu comment je m'en sors. Hier, je vous avais promis que je vous parlerai très prochainement d'un gros projet. Vous l'avez vu au niveau du titre, je crois que c'est le plus gros projet de ma vie. Et c'est même sûr que jusqu'à maintenant je n'ai jamais eu d'aussi gros projet. Tout simplement je vais déménager. Donc vous allez me dire déménager c'est cool, c'est pas mon premier, ça loin de là. Mais je vais vraiment déménager et j'ai acheté une maison. Donc normalement si tout se passe bien courant juillet je devrais déménager donc dans ma nouvelle maison. Et dans ma maison à moi surtout. Donc il y a pas mal de choses qui vont changer déjà au niveau du décor. Mon atelier ne sera plus mon atelier étant donné que j'aurai un nouvel atelier forcément qui sera beaucoup plus grand et que je vais pouvoir vraiment aménager davantage parce que là vous connaissez mon atelier actuel, je vous ai déjà fait un room tour. N'hésitez pas à aller le voir, je vais vous mettre tout là-haut dans le petit i information de mon ancien room tour. Donc il y a pas mal de choses qui ont changé mais j'ai pas voulu en refaire un d'actualité étant donné que le principal reste là. Mais en gros là en fait vraiment juste devant moi j'ai mon armoire qui est vraiment une armoire imposante. Mais il faut bien que je range mes habits quelque part n'est-ce pas. Et donc du coup ça me prend beaucoup de mon atelier. Et là en fait comme je vous l'avais déjà dit dans d'autres vlogs, je sais pas si vous vous souvenez, c'est des anciens vlogs, je vous avais expliqué qu'en fait tout simplement je n'ai pas de chambre. J'ai privilégié le fait d'avoir un atelier au fait d'avoir une chambre. Tout simplement parce que je passe plus de temps dans mon atelier qu'à dormir. Donc du coup là je vais avoir une chambre et un atelier donc je vais vraiment pouvoir organiser ça différemment. J'aurai aussi également un dressing donc mon armoire ne sera plus dans mon atelier. Mon atelier sera vraiment mon atelier donc je vais vraiment pouvoir faire plein de choses et j'ai trop hâte. Je vais pouvoir vous proposer aussi beaucoup de vidéos, ou du moins beaucoup plus de vidéos de petites décos à faire vraiment sympa, toujours à petits moyens, vous savez comment je suis. Et j'ai vraiment trop hâte parce que forcément dans cet appartement là c'était en location donc je ne peux pas faire de gros travaux dessus, même des petits travaux c'est compliqué étant donné que je dois le rendre en état. Donc là dans ma maison je vais vraiment pouvoir faire pour tout etc. Donc que ce soit au niveau cuisine, salon, que ce soit au niveau chambre, vous avez été nombreux à me demander depuis que j'ai ma chaîne de faire des vidéos déjà room tour chambre, de faire des vidéos décoration pour les chambres. C'est difficile de faire des vidéos décoration pour les chambres quand on n'a pas de chambre. Donc là je vais pouvoir le faire, ça va être cool. Et pareil au niveau de mon... j'aurai un jardin, j'aurai une véranda. Enfin ça sera vraiment une grande maison donc ça va être vraiment cool. Je vais pouvoir faire plein de choses. Et niveau déco j'ai prévu de faire des mandalas sur mes murs. J'ai prévu de faire de la peinture, des... enfin voilà j'ai vraiment plein d'idées. Donc j'ai vraiment trop hâte. Forcément au mois de juillet vous allez pas voir grand chose parce que les vidéos seront déjà programmées. C'est ce que je suis déjà en train de faire actuellement. Donc les vidéos seront programmées parce qu'en tant que centre je n'ai pas du tout le temps. Et puis forcément avec le déménagement ça va être très sportif. Mais au mois d'août je serai en vacances. Alors là on va faire péter la vidéo. Parce que forcément il y aura beaucoup de vidéos là dessus dans tout ce que je vous ai dit. Donc j'ai vraiment trop hâte et c'était la grosse nouvelle. Donc je suis trop pressée, je suis surexcitée, je passe ma vie sur Pinterest à regarder des idées déco, j'ai vraiment trop hâte. Et forcément j'ai craqué hier, je me suis acheté quelques petites décos, donc je vais vous montrer ça tout de suite et j'ai aussi des petites choses qui sont arrivées de chez Amazon que je vais vous montrer en même temps. Donc en fait je suis allée dans un magasin qui s'appelle Jisk, je vais vous l'écrire là, je suis vraiment pas sûre de comment je le prononce.
Et en fait, c'est une sorte de Ikea, mais version pas chère. Et surtout, c'est dans ma ville, donc à Hazebrouck. Et c'est très très pratique parce que du coup, il n'y a pas les frais de port. Et il n'y a pas aussi toute la route quand on veut du coup y aller. Donc j'ai acheté plusieurs choses, les prix étaient attractifs et c'est vrai que j'en ai vraiment profité. Donc pour commencer, je me suis acheté des petites serviettes comme ça. Donc ça n'a rien à voir avec mon déménagement, ça. Mais en fait, ce sont des serviettes donc de cette taille-là. Donc en fait, elles font 30 sur 30 et elles sont toutes douces. C'est tout simplement pour le sport, parce que ça va être la minute de l'amour, je vous préviens. Quand on fait du sport, eh ben on sue. Forcément. Et donc du coup, j'ai une serviette bah, pour m'éponger. Hein. Je vous avais prévenu, c'était de l'amour. Et donc là, du coup, ça me permet d'en avoir d'autres et de pas du coup toujours être sur la même serviette, qui est un peu cracra, on va pas se mentir. Donc voilà, donc du coup, je les ai trouvées. Et vu le prix, bah, j'en ai pris plusieurs parce que c'est vrai que c'est toujours pratique, même pour s'essuyer les mains quand on fait quelque chose, un petit torchon de table et tout. C'est toujours vachement pratique. Au niveau des coloris, il y en avait vraiment plein. C'est vraiment tout un mur, c'est tout arc-en-ciel, il y a toutes les couleurs. Moi, vous me connaissez, je suis pas une personne très très couleur et je voulais surtout les mêmes tons en fait. Et j'adore cette teinte un peu gris, mi-souris, mi-anthracite, j'aime énormément. Pour ma chambre, que c'est bon de pouvoir avoir des décos chambre. J'ai prévu en fait de faire en sorte que mon lit soit un peu comme un gros nuage. J'adore tout ce qui est en moutmout. Et là, tadaa ! Deux gros coussins. Alors voilà, juste comme ça. Pouf. Et forcément, vous vous doutez bien, c'est tout doux, j'adore. Et donc j'en ai pris deux, donc ils sont assortis, ils sont tous les deux en blanc. Et voilà, donc du coup ça sera pour ma chambre, ça sera pour mon lit, pour vraiment lui donner, vous savez, comme on voit ces lits à la télé qui donnent tellement envie. Et bah voilà, ce sera mon lit grâce à ces deux petits coussins qui étaient franchement pas chers pour leur qualité. Et pour finir, je me suis pris un plaid, forcément. Un plaid moutmout, mais là où c'est très intéressant, c'est qu'il est en XXL, donc c'est du 220 sur du 240. Je vous mets le prix là, vous imaginez bien qu'à ce prix là, j'étais épanouie, franchement, d'en avoir des si grands, si peu chers, j'ai sauté dessus. Donc ce sera mon couvre-lit en fait, tout simplement, et je suis vraiment trop 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 contente. Parce qu'il est tout doux, il est super grand, il va recouvrir entièrement mon lit et pas juste les rebords là, il va vraiment pendre, enfin ça va être vraiment très très joli. Et je suis trop contente parce que ça fait plusieurs fois que je veux en acheter, mais ça coûte un bras cette taille là. Sincèrement, il faut toujours compter dans les 40-50 euros. J'ai des plaids qui font la moitié de taille que j'ai déjà payé 30 euros et là il est juste immense. Et je suis super contente, vraiment je suis trop trop ravie. Je l'ai pas encore déballé, je résiste encore, mais j'ai trop hâte de le poser dans ma nouvelle chambre. Sur Amazon, j'ai reçu un nouveau livre, donc c'est une abonnée qui m'en a parlé, donc 1000 biscuits, si tu passes par ici, je te fais des gros bisous ma belle. Elle connaît ma passion pour Disney, elle la partage avec moi et c'est ce qui fait qu'on s'entend si bien. Et donc du coup, elle m'a parlé du nouveau Simplissime. Donc en fait, ce sont des livres de cuisine, pour ceux qui ne connaissent pas, que j'adore. Étant nulle en cuisine, c'est tout ce que j'aime. Je le possédais déjà, j'ai une de mes amies, la mouette, qui me l'a offert, mais version végétarien. Et c'est trop bien parce que c'est vraiment très très simple. Et donc du coup, la version Disney est sortie, donc elle m'en a parlé une heure après, il était dans mon panier, 10 minutes après, il était acheté. Autant vous dire que je n'ai absolument pas résisté. Mais il est vraiment trop bien, il est vraiment épais. Donc pour vous montrer un exemple, ça se passe comme ça. Donc ici c'est une page... Donc ici c'est une page de La Belle et la Bête. Donc on voit de ce côté-là du coup le final. Ici on a une photo avec les ingrédients et ce qui se passe. Et donc vous voyez, c'est toujours simplissime. Il n'y a jamais beaucoup d'ingrédients et c'est ce qui me plaît. Parce que quand on fait une recette, qu'on doit acheter 20 000 ingrédients et que dans les 20 000 il y en a 19 998 qu'on n'utilisera plus jamais après ça. Moi ça me saoule, c'est énormément du gaspillage et là je trouve que c'est vraiment très clair. Et surtout, c'est des ingrédients très lambda, c'est des choses qu'on a ou qu'on achète très très facilement. Donc là, des petits suisses, trouver un magasin où il n'y en a pas. De la ciboulette, c'est quand même vachement simple d'en trouver. Du saumon fumé, donc moi forcément je suis végétarienne, donc il faut que je fasse des changements par rapport à ça. Mais pareil, du saumon fumé, vous pouvez en trouver très très facilement. Des blinis, c'est tout ce qu'il y a de plus simple. Et voilà, donc c'est vraiment tout tout simple. Et vous voyez, à chaque fois, c'est pareil. Dans le niveau ingrédients, il y a à chaque fois très peu de choses. Et ça, c'est vraiment cool. Donc, je suis vraiment enchantée. J'ai vu plusieurs choses qui me plaisaient, notamment au niveau des desserts. Une chose que je devrais reprocher, c'est qu'il n'y a rien par rapport à la petite sirène.
Bon d'accord, ça aurait été un peu quand même de mauvais goût de faire du poisson, etc. Mais quand même, la petite sirène, ils auraient pu trouver quelque chose. Il y a un délire avec la salade là-dedans, ils auraient pu le mettre. Mais voilà, il est vraiment bien et je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté. Il y a une table en fait derrière avec exactement toutes les recettes. Donc voilà, regardez-moi ça. Ça me donne trop faim. Des tartes à la rhubarbe et à la fraise, hein. Qui n'aime pas ça quoi. Donc voilà, je vous le conseille vraiment, si comme moi vous n'êtes pas calé en cuisine, si vous êtes des futurs top chefs, clairement ça ne vous intéressera probablement pas, parce que c'est vraiment la cuisine pour les nuls et c'est ce que j'aime, c'est ce qui me plaît. Mais si vous êtes comme moi, que vous aimez les choses rapides et pas difficiles à faire et en même temps très bon, très mignon à montrer parce que semblant de rien, quand c'est une vieille pâtée toute dégoûtante, c'est pas très très appétissant. Je vous conseille vraiment les Simplissimes, c'est vraiment des très très bons bouquins et moi je les adore. Et je viens de recevoir un colis donc d'Amazon dont je ne l'ai pas encore ouvert, il était juste dans ma boîte verte quand je suis rentrée de ma balade, donc je vais l'ouvrir tout de suite. Eh ben heureusement Dieu a inventé l'accéléré hein. Tadam ! Et là vous allez vous dire qu'est-ce que c'est de ce truc là. Je me suis acheté, roulement de tambour, un numéro d'or. Regardez, c'est là-haut, il est trop beau. En fait tout simplement quand j'ai fait le swap avec Frédéric, n'hésitez pas à aller le voir d'ailleurs s'il ne se l'est pas encore fait. Eh bien, on a parlé des premiers amours au niveau artistique et j'ai repensé au numéro d'art. Et ça m'a tellement donné envie d'en refaire. Et ma maman parle beaucoup d'en refaire, etc. Et je l'ai trouvé sur Amazon et j'ai complètement craqué. Il n'était plus très cher, je me souviens plus comme ça, mais je vous mettrai le prix quelque part par ici dès que j'aurai regardé ça. En tout cas, je suis trop contente. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous le filme. Et je vous ferai dans ce cas-là une vidéo numéro d'art, ce serait avec plaisir. Donc le dessin il est juste là, je sais pas si vous l'avez bien vu tout à l'heure. Donc voilà, je suis super contente, je vais pas l'ouvrir tout de suite parce que si vous voulez la vidéo, et je vous le présenterai. Mais voilà, donc j'ai trop hâte de pouvoir commencer ça. Donc voilà, je vais arrêter de blablater, je vais reprendre tout ce que je devais faire durant la journée parce que j'ai beaucoup de travail et cette vidéo va durer 3 heures, je m'en excuse d'avance. Mais j'avais vraiment plein de choses à vous raconter, j'ai plein de choses à faire, j'avais plein de choses à vous montrer aussi. Donc voilà, c'est pas une excuse, c'est juste une explication. A tout de suite. En fait j'ai été prise une partie de l'après-midi, j'ai un cousin qui est revenu dans le nord, donc j'en ai profité pour le voir un petit peu et on se fait un petit resto ce soir. Donc du coup voilà, forcément je profite de ma famille, je suis en vacances, mais je pense que le vlog est déjà largement assez long pour aujourd'hui. J'ai publié ma photo de profil, n'hésitez pas à aller la voir, à me donner votre avis, je suis vraiment curieuse d'avoir vos retours. J'en ai déjà eu quelques-uns et ça me fait vraiment trop plaisir, vous êtes vraiment trop adorables, ça me touche à chaque fois. Je m'excuse pour les cartons à l'arrière, mais il faudra vous y habituer jusqu'à juillet, ça ne va être que de ça je pense. Donc la journée a été très productive, j'ai fini de filmer 2 vidéos entièrement et j'ai fini celle de demain que je vais devoir travailler au niveau du montage encore un dernier petit coup, soit ce soir si j'ai le temps, soit demain. En tout cas j'ai vraiment bien avancé, je veux absolument demain commencer mon projet mandala, je sais je suis vraiment désolée, tous les jours je vous dis que je recommencerai le lendemain. Mais vous avez vu, mes journées sont vraiment très remplies et mes vlogs ateliers durent déjà 3 mois comme ça. Donc voilà, je fais vraiment au mieux, mais vraiment demain je veux m'y mettre. De toute façon, la commande que j'ai reçue, je ne peux pas vous la filmer. Étant donné que je ne sais pas si la personne regarde mes vidéos, c'est un cadeau qui va être fait et j'ai vraiment un gros doute. Donc du coup, je sais que, ils sont au courant de l'existence de ma chaîne, donc du coup, je ne vais pas prendre le risque de cacher la surprise, surtout que c'est un prénom original et donc du coup, tout le monde ne l'a pas. Donc ils vont forcément repérer s'ils le voient. Il y a un gros moineau là-bas, ça me fait super peur. Donc voilà, donc je pense que je vais surtout faire du coup ma commande le soir quand je suis pas obligée de filmer, donc devant ma série, etc. Et donc du coup, mon projet mandala, je peux le faire
devant la caméra en fait quand vous êtes avec moi. Donc j'arrête de blablater, j'arrête ce vlog ici maintenant tout de suite, sinon je ne vais jamais réussir à le terminer. J'espère vraiment qu'il vous aura plu, j'attends vraiment vos retours par rapport à mon gros gros projet en commentaire. Quant à moi, je vous fais des gros 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 bisous et n'oubliez pas, il y a une vidéo à 16h. À demain.